Bonjour Victor et bienvenue à l'espace Projart. Alors donc tu vas nous présenter ton entreprise Takari Design. Ouais. Je te laisse en parler. Ok, alors Takari c'est du mobilier design éco-responsable fabriqué en Guyane à partir de matériaux de récupération. Donc, notre objectif c'est vraiment de développer une solution pour les déchets en Guyane qui ont un impact négatif, que ce soit environnemental, sanitaire ou économique. Donc notre idée, c'est de réutiliser les déchets comme matière première pour fabriquer du mobilier et voilà, apporter une seconde vie à ces déchets. Oui, ça apporte quelques réponses, ça apporte des visions différentes parce que du coup il y a le carré bouge et il y a des collectifs de créateurs, donc ça apporte un regard différent sur l'upcycling en général, donc c'est sur la vision que les gens extérieurs peuvent en avoir, donc c'est intéressant. C'est un projet d'upcycling. Moi, je n'ai pas du tout le côté créatif que d'autres peuvent avoir. Je travaille avec une designer qui m'aide là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment d'apporter un côté créatif et design pour développer notre solution. D'accord. Et donc, d'autres projets pour la suite ou... Donc ça, c'est notre première gamme qui est très axée sur la réutilisation du pneu. La gamme suivante, ce sera sur l'utilisation du bois de bateau. Parce qu'en Guyane, on a des bateaux clandestins qui sont détruits et sur lesquels il y a des éléments de bois précieux comme de l'ébène verte qui sont aujourd'hui pas exploités, qui sont même détruits. Notre objectif c'est de réutiliser ça et de créer une gamme de mobilier à partir du bois de bateau. D'accord, et bon courage pour ces futurs projets. Merci. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.